Je vous accueille dans l'atelier de mon spectacle, Le mystère de la boîte magique. C'est un spectacle que j'ai créé maintenant il y a 3 ans. Le mystère de la boîte magique est un spectacle qui se veut participatif. C'est-à-dire que les enfants comme les plus grands vont devenir acteurs de ce spectacle. C'est vraiment grâce à eux que je vais composer le show, car leur réaction va faire vraiment des moments magiques et qui fait pour moi que le spectacle est toujours différent à chaque fois que je le joue, puisque les réactions, ça je peux pas les prévoir. C'est un spectacle qui comprend des animaux, nous avons des colombes, une perruche, un lapin, nous avons également de la grande illusion, nous avons des tours de mentalisme. On a vraiment voulu axer ce spectacle sur quelque chose d'assez généraliste pour plaire à tout le monde. C'est un spectacle clé en main, vous nous fournissez une salle, un endroit, nous on vous transforme, il faut 2 heures de montage, on arrive avec le son, la technique, les lumières, le spectacle est adaptable à vos envies, on peut jouer le spectacle de 2 à 5 personnes qui comprennent du coup la technique pour régir le son, la lumière, mais également au plateau pour le débarrassage. C'est vraiment un peu comme si vous étiez au restaurant, vous choisissez à la carte et je vous parle pas de l'as de pique. Pour jouer ce spectacle, Le mystère de la boîte, c'est un décor modulable. Nous avons besoin d'un espace minimum de 6 mètres sur 4. Plus c'est grand, mieux c'est pour nous et pour vous aussi au niveau du confort des yeux. Mais nous pouvons complètement nous adapter à votre espace scénique. Le spectacle, Le mystère de la boîte magique, va vous emmener dans le château du grand-père de Timothée l'Écossais. Vous allez pouvoir découvrir des anciennes affaires, mais également un livre qui a permis à Timothée d'apprendre la magie et de faire apparaître et disparaître des objets. Au cours de ce spectacle, une formule magique sera maître mot et conducteur tout au long du show, à Chichi, à Cha-Cha et à Chouchou. Et qu'est-ce que c'est ça?